Voilà, Sahir Neskol, مرحبا بكم de nouveau مع Summit of Educators, مع Association Vision 2024 Initiative. Merci beaucoup pour votre fidélité. معنا اليوم Madame Kawthar Dibish-Sennaoui avec Communication Enseignement Enfants. Sahir, Madame Kawthar, مرحبا بك et merci de nouveau pour votre dévouement. Merci beaucoup. Merci, merci Hans, merci pour l'opportunité. Merci à Vision Initiative, vraiment, Manta, bravo pour l'initiative aussi. Et merci à tous ceux qui sont présents. Donc, elle est comme le man, en fait, parce que quand même, c'est assez long. Hein, donc, il y avait beaucoup de présentations. Donc, on est Lyon vers le dernier jour, hein, Hans? Eh oui. Oui, déjà, ça fait 5 jours, donc depuis le 14, ça fait... Donc, pas mal d'heures de formation, vraiment formation assez, assez intense, assez riche et il faut le faire, hein, c'est pas évident. Exactement, bon. Donc Tbarkala al-Nes aussi l'imane parce que voilà, c'est beaucoup d'efforts ou moi je crois que voilà, c'est comme ça qu'on va pouvoir changer les choses. B. Alors, Youm Jnarkiou ala, pardon, donc on a le plein écran. Donc, c'est bon. Oui. Donc, en fait, voilà. Jum Schnarki, voilà, mieux communiquer avec l'élève, d'accord? Donc, enfin, je me suis rendu compte à un moment qu'on aurait dû mettre mieux communiquer avec l'enfant dans l'absolu, parce que ça, ça peut toucher aussi beaucoup les parents, pas forcément que les enseignants. Mais bon, aussi, c'est très bien, que je vais pouvoir orienter plus vers la classe donc, que vers l'enfant dans l'absolu, d'accord? Béyanachkoun, alors, donc, je suis ingénieur docteur, Lili Mardash Maya Malifet, je suis ingénieur docteur en sciences informatiques, je suis maître assistante en informatique auprès de l'Université de Carthage, donc l'enseignement supérieur, je suis coach de vie certifié et coach familial certifié, et je me base beaucoup dans mon coaching et dans ma vie personnelle sur la psychologie positive et sur la discipline positive. Donc la psychologie positive, c'est toute une approche en psychologie qui a été créée autour des années 2000, mais disons la philosophie à la base a vraiment jusqu'à 4 siècles avant Jésus-Christ, donc jusqu'à Aristote, etc. Donc le principe de la psychologie positive, elle est, on va mettre le focus sur ce qui fait le bien-être des gens, ce qui fait qu'ils arrivent à réussir, etc. Et donc, trouver qu'est-ce qui fait qu'il y a certaines personnes qui, malgré tout ce qu'elles vivent dans leur vie, elles arrivent à réussir, elles arrivent à dégager du bien-être, à vivre, à être dans un état de bien-être constant. Donc, par opposition à la psychologie classique, qu'est-ce qui provoque la maladie mentale, donc les raisons, les symptômes, etc. D'accord ? Donc, c'est une approche différente. La discipline positive, c'est une approche éducative. Donc, je n'ai pas au cours de cette formation, Lyum. Donc, discipline positive est une approche éducative donc, qui peut être appliquée FEDAP, donc une approche parentale, et qui peut être appliquée dans le cadre institutionnel, donc à l'école, au lycée, etc. Donc, elle gère le rapport à l'enfant qui se définit comme étant à la fois bienveillante et ferme. Donc, la bienveillance permet justement de passer à l'enfant un message empathique, un message d'amour, et la fermeté permet de mettre un cadre qui permet de protéger à la fois l'enfant et l'adulte et pour qu'ils puissent communiquer de façon correcte, d'accord? Donc, il y aura 3 parties, la présentation est déjà, 3 grandes parties. Donc, il y aura la première partie, enfin, je vais l'axer sur le développement cérébral. Je pense qu'on ne peut pas communiquer avec l'enfant, avec l'élève, avec l'adolescent, et de quelle manière, qu'est-ce qui se passe dans son corps, d'accord, particulièrement dans son cerveau, je dirais, Nalium. D'accord. Ensuite, je vais donner des chiffres, en fait, les chiffres issus de la littérature scientifique. Je ne pense pas que la science je crois que la science, c'est elle qui va nous donner les clés, justement, pour pouvoir mieux communiquer avec l'enfant, avec l'élève, avec l'adolescent en général. Et je vais ensuite parler des piliers d'une éducation positive pour moi, en tant que coach de vie et coach familial, d'accord? Mais en fait, alors,
خلينا نعمل شوية connection. Donc, parmi les présents, شكون enseignant parmi nous? Ons Maya? Oui, les enseignants qui lèvent la main, voilà. C'est plus facile. Ok. On a une réponse? Et Namani, je chauffe en fait, fait l'écran, je chauffe, qu'elle fait le plein écran, alors je ne sais pas si vous, vous voyez. Allô? Là, on est à 5, je vous ai dit. Donc, on a 5 enseignants. Hein. Mm-hmm. D'accord. Ça a coupé complètement. Hein, ça. Donc, voilà. B, d'accord. Et sur un total de, on est combien là dans... Jusque-là, on est 11. D'accord. B, très bien. Donc, on est la moitié. Okay. Donc, les autres, est-ce que vous êtes des parents? Est-ce que je peux m'adresser directement? Bon, on sait qu'il y a Mouhib Mahana Lioum, hein, Kavale. Ah oui. D'accord, Marabé. Donc je l'ai vu. Mais ma sabbat, Menisharaf, elle est présente à part ça. Mouhib, je l'ai capté, Melol. Bonjour Mouhib. Donc pour les autres, qu'est-ce que vous êtes Louli, si vous êtes des parents Madame. Mouhib, ma sabbatch. J'ai pas très bien compris. Mais est-ce qu'il y a des parents, les autres? Les autres sont des parents, donc Rafa? Moi, je suis parent, j'ai deux enfants. Très bien, d'accord. Mais alors, Khalina, on s'en fait. Alors, je voulais savoir s'il y avait des enseignants et s'il y avait des parents, d'accord? Parce qu'en fait, on a en général un point de vue différent en tant qu'enseignant ou en tant que parent, d'accord? Ou d'ailleurs, hâte à les parents, qu'est-ce que vous voulez pour vos enfants? Alors, on va avoir une liste, par exemple, je veux qu'il réussisse sa vie, je veux qu'il soit heureux, je veux qu'à niveau de bien-être, rationnel, on veut qu'il soit sûr de lui, on veut qu'il prenne les bonnes décisions, on veut qu'il soit gentil avec les autres, on veut qu'il ait une vie familiale épanouie, on veut etc. Donc en fait ce genre de choses, c'est ce qu'on veut les enfants, d'accord. Donc Wartelina Salo, la question, concernant à l'école, on obtient une liste du style, bon, évidemment les maths, les sciences, les connaissances, la façon de résoudre un problème, etc. etc. D'accord. Donc, mais en fait, c'est plus des compétences académiques, on va dire. Donc, ma colloche, elle est dans le maktab, les autres enfants, l'empathie, les compétences socio-émotionnelles dans l'absolu. Donc, très rarement, on a ce genre de réponse, d'accord. Sauf que, quand on a le zri, alors on peut dire, qui fait le maktab ou qui fait le dar, je ne veux pas t'apprendre le maktab ou je ne veux pas t'apprendre le dar, moi je dis, on a un hab dans 30 ans, d'accord, on a les compétences et les psychologues, on a un hab dans 30 ans, voilà, on a un hab dans 30 ans, on a un heureux, voilà, on a un. En fait, pour lui, ça se passe là, maintenant, tout de suite, à tout moment, à tout instant, etc. Donc les listes et Douma, elles sont séparées pour les adultes, mais pour l'enfant, ça n'a aucun sens qu'elles soient séparés, d'accord. Les deux listes et Douma doivent s'entrecouper. Les hommes et la mamadam. Donc on doit, on doit injecter un peu de ce qui se passe à la maison, fait l'école, d'accord, et injecter un peu de ce qui se passe à l'école dans la maison. Bon, donc en fait, il faut que ça coopère. Il faut que d'une certaine manière, à l'école aussi, la connexion, les compétences les compétences socio-émotionnelles et il faut aussi que les parents s'impliquent un peu, fassent l'apprentissage académique, etc. Et en tant qu'enseignant, on sait que si ce n'est pas le cas,
évidemment, l'enfant va avoir beaucoup de mal à suivre, hein, d'accord. Donc, ce sens est là, généralement pas difficile, mais dans l'autre sens, dans le sens meder l'école, un peu moins, d'accord. Donc, on parle de l'importance du lien social. Pour l'adulte déjà, d'accord, donc Matthew Lieberman, Mathalan, un des fondateurs des neurosciences cognitives et sociales, il roule, le lien social est devenu un besoin humain fondamental, au même titre qu'un abri, de l'eau et de la nourriture. Martin Seligman, il est celui qui a créé la psychologie positive, il roule, les hommes sont des créatures sociales. Malta, autrement dit, pour l'adulte déjà, on n'arrive pas à vivre sans ce lien social. Qu'il est vraiment pratiquement impossible à l'être humain de vivre sans ce lien social, d'accord? Alors, que dire pour les enfants? Donc, je vais aborder la chose, le point de vue des neurosciences, Lyum, d'accord. Donc, ça, c'est une image reconstituée du cerveau, ok. Donc, où le cerveau va nous prouver que nous sommes des êtres sociaux par excellence, d'accord. Donc, en fait, le cerveau forme différentes parties, d'accord. Je ne choupe la partie aidée. Il faut qu'on ait l'alcool, la couche supérieure est un peu rose, un peu blackfish. Donc, ce qui s'appelle le néocortex. La partie du néocortex qui s'est développée le plus chez l'être humain à travers l'évolution, c'est la partie frontale. C'est ce qui va gérer justement les comportements émotionnels et sociaux. D'accord? Donc en fait, femme à trois parties, bon, c'est pas aussi simple. Hein. Le cerveau n'est pas vraiment séparé en différentes parties qui m'a fait la suite, d'accord? Mais ça permet d'expliquer mieux l'information. Donc, les scientifiques utilisent cette façon pour pouvoir irralter l'information, divulguer un peu plus l'information. Donc, en fait, femme à la partie archaïque, donc c'est ce qu'on appelle aussi le cerveau reptilien, qui lui gère toutes nos tout ce qui est physiologique dans notre corps, par exemple la respiration, le battement du cœur, le flux sanguin, etc. Ou femme à la partie émotionnelle, d'accord, la partie émotionnelle est moi judalénée, donc qui elle va justement, c'est le centre des émotions, on va dire, c'est là où on va ressentir les différentes émotions internes. Ou femme à ronna, donc la partie qu'on appelle plutôt cognitive, donc la partie supérieure. Donc c'est vraiment purement pour expliquer la chose qu'on fait cette séparation là, les choses ne sont pas aussi simples, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Le cerveau interne, il y a différentes couches, etc. D'accord. Donc, il y a la partie néocortex, la partie qui est importante, il y a le cortex frontal, et le cortex préfrontal, il fait le front interne, pratiquement la base de notre front, d'accord. Donc, qui gère tout ce qui est réflexion, raisonnement, résolution de problèmes, planification, créativité, imagination, mais c'est aussi le centre de la conscience de soi et de l'empathie, d'accord. Particulièrement, ma zone particulière qui gère justement la conscience de soi et l'empathie, et à ce qu'on appelle le cortex orbitofrontal. Il est juste derrière nos yeux, en fait. Juste au raïnina, d'accord. Donc, cette partie-là, c'est le cortex orbitofrontal. Vous m'abâchez essayé, mais je ne vous demande pas de retenir. Hein. C'est simplement pour expliquer comment évolue notre cerveau, qui fait qu'il fonctionne, pour pouvoir comprendre qui fait l'émotion et comment est-ce qu'on peut ou pas la contrôler, à quel âge on peut ou pas la contrôler, etc. D'accord. Donc, le cortex orbitofrontal, le but, c'est justement de réguler les émotions. C'est-à-dire que le cerveau émotionnel, d'accord, cette partie-là qui est cachée un peu, le néocortex, d'accord, c'est là où on va ressentir les émotions. Mais la régulation, elle se passe à ce niveau-là. C'est la partie plutôt cognitive, on va dire, d'accord. Donc, on régule les émotions à l'aîné. Les capacités d'affection et d'empathie, du moment, c'est des compétences sociales par excellence, donc manjoudine l'aîné. Le développement du sens moral, kiff-kiff, et l'aptitude à prendre des décisions en tenant compte justement de la morale, de l'affection, de l'empathie envers l'autre, etc. Donc, c'est dire l'importance de cette zone, le cortex orbitofrontal. D'accord. Donc, en fait, le cerveau, comment il se développe même l'âge, l'enfance, jusqu'à l'âge adulte. Donc, en fait, le cerveau, il va se développer de façon ultra rapide les cinq premières années.
jusqu'à à l'âge de 2 ans, je pense qu'il va atteindre les 3/4 de sa taille adulte, déjà, le cerveau et la taille par le cerveau adulte. Par contre, simplement au niveau de la taille. Par contre, les connexions, on va en parler, c'est différent. La maturation, par contre, cérébrale, le cerveau, il a sa forme réelle, enfin, pas la forme, il a sa capacité adulte, donc vers la fin de la mi-vingtaine, vers l'âge entre 25 et 30 ans, d'accord ? Et la dernière étape à maturer, la dernière haja à maturer dans le cerveau, il y a le cortex orbitofrontal, c'est-à-dire que jusqu'à l'âge de 25 ans, le cortex orbitofrontal n'est pas à son plein potentiel. Le cortex orbitofrontal, c'est ce qui permet de réguler les émotions, c'est ce qui permet de. C'est là où se développe le sens moral, c'est là où se développe l'éthique, l'empathie, c'est vraiment le cerveau, la partie socio-émotionnelle, par excellence. D'accord ? Et donc, elle n'est pas mature avant l'âge de 25 ans. Donc, les recherches prouvent ça. D'accord ? Donc, elle est. Anna, j'ai montré l'amygdale. L'amygdale, elle est mojouda, le cerveau émotionnel. D'accord ? Elle est, par contre, à la naissance, elle fonctionne plein gaz, plein potentiel. L'amygdale, c'est quoi ? L'amygdale, c'est le centre de la peur. L'enfant, quand il est né, il est capable de ressentir de la peur. Un adulte peut la ressentir à un moment de peur extrême. D'accord ? Donc, elle est complètement mature à la naissance et elle déclenche la sécrétion des molécules de stress, comme le cortisol ou l'adrénaline. Voir tel est l'enfant, le bébé, il a peur, il va sécréter ça à fibanou, donc qui sent le cortisol est connu pour être toxique pour le fonctionnement et la maturation du cerveau. D'accord ? Mais, donc, il y a des hajas. Évidemment, le cortex orbitofrontal à la naissance, il ne fonctionne pas du tout. Les connexions, certaines connexions commencent à se faire vers l'âge de 5-6 ans. Maintenant, ils commencent à fonctionner, mais de manière vraiment très zraïra. C'est pas un fonctionnement qui maintient un adulte, d'accord. Et ça ne fonctionnera correctement qu'à peu près entre 25 et 30 ans, d'accord. L'amygdale, elle stocke les souvenirs de la peur. Elle va stocker, en fait, ces décharges émotionnelles. Et les hasbiens de l'enfant, beaucoup disent que c'est l'inconscient interne, d'accord ? Ce sont des souvenirs émotionnels qu'on a vécu dans notre enfance, d'accord ? Les radofina. Beaucoup disent que c'est ça, la partie inconsciente, les mojouda fina. B. À l'adolescence, qu'est-ce qui se passe maintenant dans le cerveau ? Narto l'adolescence, donc Ronan Tweldo, avec un cerveau émotionnel plutôt fonctionnel, mais avec la partie qui régule n'est pas presque pas fonctionnelle du tout, d'accord ? Narto à l'adolescence maintenant, donc cette partie, elle s'est un peu développée, mais pas beaucoup, hein, donc elle va continuer son développement, mais elle a un darash, elle a signé 15 ans pour se développer encore. La matière grise, en début d'adolescence, c'est que la matière grise, en fait, elle va prendre du volume. Donc, je t'arrête le pic de volume d'EHA, donc, c'est début d'adolescence, donc à peu près vers l'âge de 13 ans, d'accord ? Entre 13 et 16 ans, je crois que j'ai vu. Donc, je m'arrête à la matière grise, je t'arrête le pic de volume, il va y avoir beaucoup de neurones et de synapses qui vont se former, d'accord, dans le cerveau. Et les synapses sont les connexions entre les neurones, d'accord ? Donc, des neurones et des synapses qui vont se créer, ce cerveau, axer malade, d'accord ? L'amygdale, je t'autre en hyperactivité, d'accord ? Donc, ça veut dire que l'adolescent est sujet à de fortes réactions émotionnelles, d'accord ? Mais de l'autre côté, le cortex orbitofrontal, Berry, il n'est pas mature, il sera mature dans 15 ans, d'accord ? Donc Mayarash, comment gérer ces réactions émotionnelles? Il est très bien, évidemment, mais il n'est pas super efficace, d'accord? Mais femme a le système de récompense qui devient hypersensible. L'arrière a le système de récompense, j'ai essayé de comprendre, alors il prend beaucoup de place dans le cerveau, enfin à différentes zones, enfin, donc j'ai trouvé que c'était très compliqué, d'accord ? Donc retenez simplement
que le système de récompense, il est hypersensible au plaisir, c'est-à-dire que l'adolescent, il va être hypersensible au plaisir, mais de l'autre côté, son cortex orbitofrontal ne fonctionne pas de façon correcte pour qu'il puisse prendre les bonnes décisions. D'accord, c'est là le centre des décisions morales et éthiques et empathiques, et, etc. D'accord ? Donc, il ne saura pas correctement évaluer les risques et évaluer les conséquences de ses actes. Et dès qu'Alish, l'adolescent, des fois, il va vers la prise de risque qui va lui garantir, enfin pour lui, dans son cerveau, qui va lui garantir un certain plaisir. Mais, plus tard dans l'adolescence, ce qui se passe, c'est qu'on va assister à un élagage synaptique, c'est-à-dire le cerveau, certains appellent le cerveau psychraklouho. En fait, ce qui se passe, c'est que le cerveau, il va se débarrasser de beaucoup de matière grise, donc de beaucoup de neurones et de beaucoup de synapses, il a voir en fait, parce que ces neurones et ces synapses ne lui ont pas été utiles. C'est ce qui va créer votre identité. L'identité de l'adolescent, donc du futur adulte, est en train de se créer à ce moment-là. Chinach et toutes les connexions qui ne lui ont pas servi, d'accord ? Et il va faire la dernière étape, la myélinisation. Donc, il va créer et il va renforcer toutes les connexions, plutôt, qu'il utilise souvent, etc. D'accord ? Donc, on parle en fait de la création de l'identité de la personne. Ben, est-ce que jusque-là, Maria, est-ce que vous avez des questions ? On a une petite pause. Narki Wardi, Zoli. Hans ? Léna, madame. Ahla, Aslema. Aslema. C'est bon, en fait, justement, je n'ai pas de retour. Alors, Ena, comme Hafta, le plein écran, je ne peux pas voir qui est là. Alors. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que c'était clair ? Est-ce que Famahaj... Bonjour. Bonjour. Les commentaires. C'est clair, mais un peu trop technique. D'accord. Trop technique. D'accord. Ben, alors, si... Allez-y. يعني واضح يعطيك الصحة صدقا معناتها برشا حاجات قاعدين نفهموا علاش الصغار قاعدين هكا اللي يتصرفوا هكا يعطيك الصحة صدقا معناتها يفضلك ميرسي بوكو عايشك Bah, c'est le but, en fait, disons pour les gens qui ont trouvé que c'est un peu compliqué, je vais juste résumer معناتها باش نقول شنو la chose qu'il y a à retenir ملي الكل اللي هو راهي la zone socio-émotionnelle نتاعنا هيا Elle est manjouda. C'est une petite zone qui est juste derrière l'inina, d'accord, juste derrière les yeux. Et c'est la zone qui est capable que c'est la zone qui va permettre que ahna, on va réguler les émotions internes. C'est la zone qui va permettre de prendre des décisions de façon à tenir compte des informations alcool, donc évaluer les risques, les conséquences à la réalité, etc. Donc cette zone là, elle n'est pas mature. Elle prend 25 ans. Au moins pour maturer, d'accord ? Donc, ce qu'il y a à retenir, c'est vraiment cette information-là. Chez l'enfant en petit âge, Mish Maoujouda pratiquement, d'accord ? À l'adolescence, Maoujouda, mais elle ne fonctionne pas de façon optimale, puisque Mazel Tzrira, d'accord ? Donc, en fait, elle va fonctionner 15 ans plus tard de façon optimale, donc vers l'âge de 25-30 ans. Donc, c'est vraiment ce qu'il y a à retenir, mais l'introduction est d'école, d'accord ? Madame, juste une proposition. Madame, c'est très intéressant. Il parle. Juste une proposition, c'est très intéressant ce que vous avez dit. Juste si c'est possible, à la fin de vous pouvez nous fournir une bibliographie si c'est possible. Oui, parfaitement. Parfaitement. Déjà, oui, parfaitement. Je vais vous donner un lien, en fait, qui voilà, plusieurs liens qui permettent de regarder un peu plus en détail et aider, d'accord ? Sinon, sur les résultats des recherches, le lien m'ajoute directement sur la présentation. Replay, tatakawa directement, d'accord ? Là, par exemple, je vais parler d'une recherche en particulier. Marque tout le lien en bas, d'accord ? Oui, bonjour madame. Je vois que. D'accord, enfin moi. Ça,
Merci. Merci beaucoup. Donc, je vois que donc les mots ils sont un peu techniques, mais vous avez bien expliqué la chose. Merci beaucoup. Aïcha. D'accord. Moi, à mon tour, je dirais que le cerveau, il est naturellement compliqué. Donc, c'est normal que les informations soient un petit peu raccapées à plusieurs détails à retenir. Mais c'est très, très intéressant et il faut essayer de comprendre ça et passer par là d'abord, avant de parler comment se comporter avec son enfant. C'est sûr. Il faut passer par là. C'est un très bon début pour le sujet. Bravo. Merci beaucoup, Fadl. Donc, en fait, Ena, je pense que, disons, pour communiquer avec l'enfant, si on ne sait pas que son cerveau n'est pas capable, ce que son cerveau est capable de faire et ce qu'il n'est pas capable de faire, on ne peut pas communiquer efficacement avec l'enfant, d'accord, et l'adolescent. Donc, voilà. Donc, l'introduction à l'école, c'est pour dire justement que Rahu, l'enfant en petit âge, par exemple, il n'a pas les compétences, il n'a pas la possibilité de pouvoir réguler ses émotions par lui-même. L'adolescent, mais ça ne fonctionne pas en plein potentiel. Donc, c'est normal que l'hyperactivité MTO, c'est normal que l'hyperémotivité MTO, c'est normal les prises de risque aussi MTO, parce que son cerveau n'est pas mature encore, d'accord? Et c'est que vers l'âge de 25-30 ans qu'on arrivera à maturité. Donc, s'il y a une chose à retenir, mais ce qui a été dit jusque-là, c'est bien ça, d'accord? Donc là, on va aller vers des choses un peu plus simples, hein, mais moi, c'était un challenge hein, pour moi de commencer avec ça. Mais voilà, j'espère que vous ressentez l'information, parce que pour moi, vraiment, elle est cruciale et primordiale pour comprendre ce qui se passe physiologiquement pour l'enfant, d'accord? Ben, donc, ce que nous disent les études. Donc, Kamal, avec les mots techniques, hein, ça va être plus simple maintenant, d'accord? Donc, il y a une étude qui a été faite en Hollande en 2015 sur 191 familles de 6 semaines à 8 ans. Donc, les enfants, ils les ont observés entre 6 semaines et 8 ans. Ces familles, donc, utilisent des méthodes de parentalité positive. Donc, ils ont formé les parents, voilà, les parents étaient formés déjà à la parentalité positive, d'accord? Et ils les ont suivis entre 6 semaines, les enfants et Douma, et 8 ans. À 8 ans, ils ont observé leur cerveau, d'accord? Ils ont trouvé que ces enfants qui ont bénéficié de ces méthodes de parentalité positive avaient un cortex frontal et la partie heavy du cerveau qui était plus épaisse. Plus épaisse, il y a plus de neurones, il y a plus de connexions entre les neurones, d'accord? Donc, et une augmentation de la matière grise en général, d'accord? Donc, le fonctionnement du cerveau était meilleur, autrement dit. Donc, une autre étude en décembre 2017, au Canada, qui a porté sur 33 enfants de 15 mois à 10-11 ans, a montré que l'attachement sécure avec la mère, c'est-à-dire un attachement, un mode de parentalité positive, en fait, installé par la mère dans la petite enfance, favorise le développement kif-kif du néocortex, particulièrement de la zone temporale, d'accord, et de la zone frontale. La zone temporale est heavy, qui, elle, gère le langage, la mémoire, l'audition, la vision de forme complexe, etc. D'accord? Donc, Heidi, elle se développait mieux, mais aussi celle-là, d'accord? Qui gère aussi la régulation émotionnelle, etc. Mais, par une étude, par contre, de Rebecca Valeur, qui est parue en 2013, d'accord? Qui est un bilan, celle-là, un bilan de plusieurs études, de 30 études faites à travers le monde, de recherches différentes, qui montrent qu'une éducation sévère et punitive, d'accord, nous donne des adolescents qui ont un manque d'empathie, d'accord, et qui ont des conduites antisociales graves. Je parle, ils sont agressifs, ils vont vers la délinquance, c'est-à-dire les vols, etc., et ils vont vers les dépendances à l'alcool, aux drogues, etc. D'accord, ça c'est un bilan de 30 études psychologiques à travers le monde. B. Et avec Alej, quand on punit un enfant et quand on l'humilie, je connais qu'à mal les jambes là. Donc, en fait, il deviendra meilleur. Arna, on a basé l'éducation interne sur ça. On dit que quand on punit un enfant, eh ben, on pense qu'il va devenir meilleur.
D'accord. Bon, les neurosciences, lui, Mikulunna Heda, en fait, ce qui se passe typiquement chez l'enfant et chez l'adulte, disons, qui est face à l'enfant, ou l'enfant se comporte d'une certaine manière. Donc, l'aîné, par exemple, Anna, j'ai schématisé un petit ours et un grand ours, c'est l'adulte qui est face à lui. D'accord ? Le petit ours aîné, donc, il a un certain besoin, un besoin physiologique, voilà, un besoin d'attention, voilà, un besoin d'affection, voilà, un besoin, voilà, simplement, il s'ennuie, il a besoin de jouer un peu, voilà, voilà. Donc, en fait, ce besoin, il va générer des émotions en lui. Évidemment, son cerveau n'est pas capable de gérer les émotions, le flux d'émotions réveillées, il n'est pas capable de le gérer, d'accord ? Donc, ça va donner un comportement, un certain comportement, il n'arrête pas de pleurnicher, voilà, etc. Ça va générer un comportement donné, d'accord ? Qui va permettre justement d'exprimer à l'émotion, puisque il n'est pas capable d'aller voir sous l'iceberg, d'accord, l'émotion réveillée. Khalini dit différemment, en fait, le modèle de l'iceberg, c'est un modèle qui dit que ce qu'on observe au-dessus de l'eau, d'accord, c'est le comportement. Et ce qu'on voit sous l'eau, d'accord, et ce qu'il y a sous l'eau, c'est la chose qu'on ne voit pas, c'est vraiment les besoins et les émotions de l'être. Maintenant, quand on est face à quelqu'un, on chauffe ce qui émerge, le comportement de Théo, mais on chauffe ce qu'il y a sous l'eau, les besoins de Théo ou les émotions de Théo, d'accord. Donc, et ça, c'est valable pour maintenant n'importe quelle interaction avec une personne. Donc, l'enfant, il a vécu ça, il a eu un besoin, il a eu une émotion, il a eu un comportement donné. L'adulte en face, donc, ce comportement-là, il va aller chercher en lui, il va toucher, il va provoquer une émotion en lui. Mathalan, il va toucher son besoin à être tranquille, voilà, à se concentrer sur quelque chose d'autre, voilà, à avoir un moment de repos, voilà, etc. Donc, ça va générer en lui une émotion, d'accord ? Et cette émotion, elle va générer un certain comportement. D'accord. Shkoun mezouz, donc très souvent, l'adulte disant n'est pas très conscient de ce qui se passe en lui, le comportement il va être je vais m'énerver, je vais punir, je vais humilier, saat, d'accord. Il y a enfin natade, d'accord. Donc shkoun menanahna, l'enfant ou l'adulte est capable de gérer l'émotion théo. Hazmakon anshufutawa d'après les neurosciences. Est-ce que cet enfant, il est capable d'aller dire que, bon, finalement, le comportement de voilà, il était ralent, finalement, j'avais besoin de ça, simplement, d'accord. Et voilà, mon papa, il avait raison, voilà, ma maman, elle avait raison, voilà, mon maître, voilà, ma maîtresse, ils avaient raison, j'aurais dû me contrôler. En fait, l'enfant, il n'a pas les capacités neuronales, d'accord, cérébrales pour aller faire ça. Par contre, l'adulte, lui, il peut aller sous l'eau, il peut comprendre qu'est-ce qui se passe en lui, c'était quoi le besoin de terre, les pralars, etc. Et donc, il peut s'auto-gérer, il a cette capacité à s'auto-gérer et à réagir face à ce petit ours qui mesquine, qui déborde, d'accord. Donc, en fait, et comment on le fait généralement, c'est aussi en allant chercher sous l'iceberg, en essayant d'aller voir sous l'iceberg, qu'est-ce qui se passe, d'accord, chez ce petit être qui est en train de bouger dans tous les sens, voilà, de s'activer, voilà, d'avoir ce comportement qui, si on ne fait pas ça, en fait, va simplement nous énerver. Donc, les compétences socio-émotionnelles dans l'absolu. Donc, tout au long de ce sommet, il va dire tout bas de ces compétences socio-émotionnelles. Donc, selon le CASEL, donc le collaboratif pour l'apprentissage social, socio-émotionnel et académique. Donc, il roule les femmes à 5 différents axes, fait les compétences socio-émotionnelles. Il roule à la conscience de soi, la gestion de soi, la prise de décision, les compétences interpersonnelles et la conscience sociale. D'accord. Donc, une étude, d'accord, ils ont les résultats déjà, lundi. Donc, je vais aller un choix, mais je vais passer à d'autres résultats qui nous touchent plus, qui sont plus en rapport avec le rapport enseignant-élève. D'accord. Donc, les résultats malifiés,
que quand on évaluait l'apprentissage socio-émotionnel de l'enfant à un âge donné, on pouvait savoir plus tard, d'accord, son niveau de réussite plus ou moins, sa santé physique même, la criminalité. On prévoyait beaucoup de choses en fait pour le futur de l'enfant en question. Mais Maïkolouch, en fait, ses résultats socio-émotionnels, Mningeo. Donc cet enfant, il a appris ces compétences-là par rapport à ses copains. Est-ce que les parents, est-ce que quel adulte lui a passé cette information-là? Donc ces études, Maram Shradin Roulou, Ninje ou ses compétences socio-émotionnelles chez ces enfants-là. Matalan, l'étude Hedit Roul, qu'en 2000 en Italie, quand on prenait dans une classe de troisième année primaire, quand on évaluait le comportement prosocial, on pouvait savoir 5 ans plus tard. Le niveau de réussite de l'élève en question, d'accord. Ensuite, une étude sur 1000 enfants en Nouvelle-Zélande en 2011 qui a suivi les enfants même la naissance en terme à l'âge de 32 ans trouve quand on a mesuré en fait l'autocontrôle dans les enfants entre l'âge de 3 et 11 ans, d'accord. Les mesures Hedouma nous ont permis de prédire qui à l'âge de 32 ans va être en meilleure santé physique, financière et même la criminalité à l'âge adulte. C'est dire l'importance des compétences socio-émotionnelles. L'étude Hedit Jinam El Canada trouve en 2014, ils ont évalué les compétences sexuelles, socio-émotionnelles des enfants en 6e année et trouve que grâce à cette évaluation, ils savaient en 7e année qui va réussir en lecture et en mathématiques. Donc, on va se concentrer plutôt l'école, donc le rapport à l'enseignant. Donc, une étude en Italie en 2013 sur 152 élèves âgés de 4 à 5 ans, d'accord, trouve que femme a un lien entre l'attachement de l'enfant à son enseignant et la capacité de l'enfant à entrer dans l'apprentissage, voilà les difficultés d'apprentissage. Manière quand on construit, quand le maître ou la maîtresse à l'âge de 4-5 ans construit un lien d'attachement, elle a prouvé, en fait, que l'enfant était capable de socialiser mieux, de se motiver mieux, de faire, d'être plus concentré en classe. Et ça avait même des effets sur la psychomotricité, sur la phonologie, sur le langage, sur la prélecture. Au Portugal et en Belgique, enfin, une étude conjointe qui a été faite en 2015, sur 145 enfants pour le passage en primaire, trouve quand les enseignants ont une relation proche et chaleureuse et soutenante avec l'enfant, on assistait à une meilleure réussite scolaire et à une amélioration des compétences sociales des enfants. Donc, indépendamment de l'aulé des Douma, est-ce qu'ils viennent d'une famille qui applique, voilà, qui utilise les compétences socio-émotionnelles, etc. Aux États-Unis, une étude sur 222 enseignants, d'accord, et 875 élèves de 4 ans, d'origine différente, afro-américain, latino-américain, etc. Donc, Troule, les compétences socio-émotionnelles des enseignants favorisent chez les enfants les capacités à se concentrer et le développement du langage. Donc, en fait, on voit l'importance des compétences socio-émotionnelles chez l'enseignant. L'étude de Hatita Wahada à la Hatrihiti Troule, l'importance, disons, l'avantage de maîtriser les compétences socio-émotionnelles pour l'enseignant lui-même. Donc, une étude sur 83 enseignants en Autriche en 2015. D'école élémentaire, donc Troul, d'école primaire, autrement dit Troul, que les enseignants qui ont une relation proche avec leurs élèves ont un sentiment de compétence et d'accomplissement plus élevé, et ça permettait, cette relation-là, les permettait de prévenir contre le burn-out, les élèves qui lâchent la scolarité, qui quittent. Oui, c'est plus l'enseignant qui lâche, en fait. Et l'étude EDEA, c'est par rapport à l'enseignant en lui-même, d'accord. Donc, c'est l'enseignant. Donc, l'étude Hedi Hatita Wahada, donc Troul, c'est l'enseignant de l'école primaire qui va avoir, il intègre les compétences socio-émotionnelles, un sentiment de compétence et d'accomplissement qui est meilleur, et ça va le prévenir du burn-out. C'est pas la dépression, c'est une échelle moindre. C'est vraiment et pratiquement il lâche, en tout cas mentalement, il lâche vraiment l'enseignement. D'accord. Mais Hatit. Voilà, Hatit est le modèle donc, qui a été déjà dès 2009, les compétences socio-émotionnelles et le bien-être de l'enseignant
influe sur les résultats socio-émotionnels et académiques de l'élève. On a vu que quand les résultats socio-émotionnels et académiques de l'élève s'améliorent, la relation à l'enseignant s'améliore et donc les compétences socio-émotionnelles et le bien-être de l'enseignant s'améliorent. Donc voilà, donc on entre dans le cadre d'une boucle vertueuse, d'accord. Donc Edea Hatita aussi dans la présentation li fitet, Michalak Sbarchamara, donc on va avancer. La discipline positive. Donc, la discipline positive, donc, c'est une méthode qui permet d'enseigner les compétences socio-émotionnelles, d'accord, aux parents, mais aussi à l'enfant, à travers la communication et à l'enfant, d'accord. Donc, qui peut être utilisée dans le cadre scolaire, mais qui peut être aussi utilisée, fait d'art, etc. Donc, je me base beaucoup sur la discipline positive en tant que la relation avec mes enfants, mais aussi dans mon coaching. D'accord ? Je compte sur la discipline positive. On attend vos interactions, vous répondez par oui, par non, s'il vous plaît. Moi, non. Damien, non. D'accord. La femme a des intervenants. Adini Kouchef, la barca. Non, non plus. Monsieur Gbeli. Non. Donc, c'est un 4 non jusque-là, c'est Aïmen aussi. D'accord. Ben, ok, donc la discipline. Donc, oui, Protiha Jaron, ça marche? Non, non, ça va. Allez. D'accord. Mais la discipline positive, en fait, est une approche donc qui a un rôle parental et qui peut être aussi appliquée à l'école, donc qui permet de gérer la relation à l'enfant, d'accord, qui se définit comme étant à la fois ferme et bienveillante. Je m'en ai à ferme. Elle va définir un cadre. Ce n'est pas une discipline qui est permissive, qui va dire que voilà, l'enfant il a le droit de faire ce qu'il veut, etc. C'est pas ça la parentalité positive, d'accord. Donc en tout cas, c'est pas ça la discipline positive. La discipline positive trouve la fermeté est importante pour l'éducation, d'accord, tout autant que la bienveillance est importante pour l'éducation. Ça veut dire que le message d'amour, le message de soutien, le message de tu comptes pour moi quel que soit ce qui se passe doit passer aussi, d'accord. Donc, il y a même des bien lancés ou le mentimètre qui est possible, on se nomme un peu d'interaction, d'accord. Donc, mais il y a des bien initialement, donc une discipline, une éducation simplement ferme, que ce soit pour les enseignants ou voilà pour les parents d'entre vous, d'accord. Voilà, pour les enfants, les adolescents plutôt, donc une discipline ferme, c'est d'art, voilà, c'est le marque. Quelle est la conséquence de Alikum, d'accord, ou à l'enfant qui est en train, qui est la cible de cette discipline-là. Hans, je crois que la connexion. Donc là, le code. D'accord. Donc, vous reformulez la question, s'il vous plaît, donc, pour une éducation ferme, c'est ça? Exactement. Donc, une éducation ferme, quelle est la conséquence sur le parent, voilà, l'enseignant, enfin, qui va instaurer ce type d'éducation, fait le classe, et quelle est la conséquence sur l'enfant, d'accord? Ok, juste un moment. Bon, entre temps, on a des interventions. Le temps est lancé de l'intimité. Femme Asghar, il y a un femme Asghar, tu as l'air mon d'abtine, mais qu'il y a un ta'ab le Waldi. Ta'ab le Mourabi, Roger, fatigue, ça cause du Roger, de la fatigue. Mahdabak.
Juste un moment pour le code. Là, on va choisir la connexion. Un petit peu de retard pour connexion. D'accord. نجمو كاين فما مشكلة متاع منتيمتر نجمو نحلو لي ميكرو نجمو في اون اون بتيت ديسكوسيون اوتور دو سا بلوتو Donc, femme, je connais que le stress, ça cause beaucoup de stress. Donc, préparez vos mots déjà, je kiffe dans ces nuages de propre fabrique. Donc, elle a même de calme pour ne pas avoir. D'accord. Donc, on a de la question. Une éducation ferme, que ce soit fait à... Voilà. Le résultat de cette éducation ferme sur l'enfant et sur vous en tant que parent ou en tant qu'enseignant. Donc, c'est quoi les émotions? Le nuage d'émotions qui va découler de ce genre d'éducation. Le code, je de mon ami de la collection. Voilà. Vous voyez l'écran? Oui. Merci, Hans. Très bien. Oui. Donc, je vous en prie. Un le code pour les machines chez le code de chat. Donc, faites mati.com, qui est présent avec nous la première fois dans Mentimeter, et faites le code de participation comme anonyme. Donc, je vais vous dire que je ne sais pas ce que je vais faire pour vous. On a une première participation, stress, fatigue, alerte à Tawatur Kebira, deux questions encore. Excellent, d'accord. Mais j'avais vu aussi colère sur le sur le chat. Il y avait colère, il y avait rejet. Bon, sur 17 ou 18 participants, on a 3, 2, Hadata ou Karawa, mais c'est même choyé quand même. D'accord, oui. 4, ah, ça y est, ça vient. Ok, très bien. N de l'école. Ah, Sarata ou Atik, monsieur, je suis allé chez Falk. Eh oui! Pour commenter à la zghar tawatik bsou ya'jalhom chi hawa, c'est vrai que l'éducation enfin ces dernières années manta ces dernières décennies on va dire manta tbadl du tout au tout, donc beaucoup de manta femme mach narfou sur quel pied danser, donc barcha des parents et nabidji, je suis passée par là, donc exactement.
Donc, en fait, il y a eu une phase où je ne sais pas, est-ce que ça, c'est permissif ou pas permissif? Est-ce que ça, c'est est-ce que l'enfant roi? Est-ce que donc, il y avait beaucoup de ce questionnement. Notre style éducatif. Moi, je ne pense pas que femme a un seul style, que lui, il y a un style, d'accord? Donc, femme a des approches différentes, mais il faut que nous devons trouver les choses qui nous aident ou qui nous aident, d'accord? Donc, il y a un tawatur très grand. احنا نلقاو لي تروك اللي يناسبوا شاب صغير راح نلقاو لي زانفون ماهمش كيف كيف حتى لي ميم بارون اي دو با ايديتي لي تو لي زانفون دو لا ميم فاصون ا مون افي هادو نو با لي ميم بيزوان لي ميم بروبليم Je suis tout à fait d'accord. Voilà. Ahna qui m'tamlou ma l'abed li qu'on rencontre fi hiyatna, en fait, m'tamlouch b'naf cette tariqa au final, ma l'abed l'kol. Femme abed qui vont être plus proches, femme abed moins proches, etc. Femme abed zeda qui sont proches, mais que chacun m'chnouali ou des facettes, mais nanahna, et ben ma les enfants m'tamna, c'est kif-kif, ma les enfants fil maktab, c'est kif-kif, c'est la même chose, d'accord. Mais aussi, mouchkin, ça ne dépend pas que de l'enfant, ça doit dépendre de nous. Izemna ahna nefamourouehna dans le sens où narfouch. Je nous mets les lignes rouges, je me tais à aussi. C'est très important de savoir. Je nous mets les lignes rouges, je me tais à Yéna. J'évite n'achaltelhom. Les lignes rouges, les pichadiniens, si je dépasse, je réagis d'une certaine manière qui n'est pas correcte. Exactement. Mais, donc, mais, j'ai eu comme zrir ou chnoa yelzmo, rao, samazrar, belin, tenjahmam, samazrar yelzmom. D'accord, merci pour l'intervention. Donc, Tfidou, je connais. Et le machin femme sur la chat. Donc, après la choix, il y a le nuage de mots, je vois un peu la tendance en fait. Donc, le mot le kbir, la fatigue. D'accord, donc la fatigue. Vous diriez que la fatigue, elle est plus adressée à le mourabi, le parent, l'éducateur, l'enseignant ou à l'enfant. Mais le stress, d'accord, donc l'enfant, il va être stressé, l'angoisse, mais aussi la sécurité. J'ai perdu le partage, l'argent. D'accord. Tout le monde, hein, pour tout le monde. Ok. Donc la fatigue pour tout le monde. Donc, si vous voulez, vous pouvez avancer le temps. Donc, en fait, juste pour dire que en fait, on va se concentrer sur l'autre côté. Donc, on a la fermeté. Donc, Barsha Kalou, la plupart du temps, en fait, elle est stressante, elle génère de la colère, de l'angoisse, de la fatigue, etc. Donc, des émotions plutôt négatives. Mais certains intervenants, ils croient donc que c'est nécessaire pour certains enfants. Ils doivent être recadrés, etc. D'accord. Mais donc, c'est une bonne réponse, une mauvaise réponse. D'accord. On est en train de voir ensemble ce que peut donner une éducation qui est très ferme, mais où l'émotion ne passe pas beaucoup. D'accord. De l'autre côté, j'aimerais bien qu'on fasse la même chose, mais pour savoir une éducation qui n'est pas du tout ferme. D'accord. Ma famille cadre et qui est très bienveillante. Maintenant, où le message d'amour passe, où c'est on vit dans un monde de bisounours. C'est vraiment une éducation qui est basée à la simplement parce que je t'aime, j'accepte beaucoup de choses de ta part, etc. On a dit, d'accord. Donc, que donne ce genre d'éducation? Kif kif. J'aimerais bien voir le nuage d'émotion, l'enfant, chez l'enfant et chez l'adulte en question, hein, d'accord. Donc, on lance un nouveau nuage. Oui, Kentna Jamons. D'accord. Voilà, donc.
On aura les deux nuages, Hakik, on pourra aussi les partager à la page. Ok. Donc, la question, c'était ? La question, c'était une éducation qui est basée uniquement sur la bienveillance, donc où il n'y a pas du tout de fermeté, d'accord ? Donc, qu'est-ce que ça donne ? Chez l'enfant, mais aussi chez l'adulte, donc le murabbi, le parent, voilà, l'enseignant, etc. D'accord ? Voilà. في هذه الحالة فما التلاميذ يجدون راحتهم ويقبلون على المعرفة ويستمتعون بها. أوكي. وثم شكون يعتبرونها فرصة ليفعلوا ما يشاءون ويقل الانضباط عندهم ويولي للبشر. Très bien. Excellent. صحيح. C'est exactement ce qui se passe. Enfin, ça rend bien, disons, ce qui arrive dans ce genre de cas. D'accord, quand je me tecteboua à Almentimeter, je vais voir le nuage, l'abbé de Colman, qu'est-ce qu'il pense? Mais je ne sais pas qu'il kiffe. Par exemple, qui m'a choqué, on a fait la fermeté. Il y avait des gens qui disaient, qui disaient c'était bien dans le sens où c'est important qu'avec certains enfants, ou les nez qui kiffent, fait bienveillance, femme ashkouni roule que il faut pas exagérer avec la bienveillance, ou femme ashkouni roule, elle les aimera, femme maoujouda, la bienveillance aide. Donc, khanchoufo le nuage d'émotions, mais chnajmoul, on les compare tous les deux. Donc, je lance, vous lancez un autre menti, s'il vous plaît. Encore une fois, je partage l'écran. Donc, on a effacé le fiqa et la responsabilité sous surveillance du wali. Responsable et confiant. Voilà. Ah ouais, l'écran il est bien partagé. Excellent. Très bien. Mais alors, on attend les interventions. Donc, اكتساب الثقة وتحمل المسؤولية تحت مراقبة الولي. OK. Très bien, c'est une bonne intervention aussi. Donc, نعلمهم, en fait, ils ont confiance en eux. Très bien. Donc, à Obdeouyor, le nuage du mot. Donc, confiance en soi, enfant responsable, enfant confiant. Mais le mot qui apparaît en gros, il y a la confiance. D'accord? Mais. Disons, ça n'est pas. Voilà, on a... Enfin, trois participations déjà. Okay. Ça avance. Confiance en soi, donc autonomie, ok. Très bien. L'efrat ou la tafrit, thiqa b'nafs, l'autonomie, tahammul mas'ouliya. L'atifa b'jaké. Sira du choufou Hazaf. B. D'accord, ça peut être vrai aussi. L'enfant responsable, excellent. Ça c'est excellent. L'efrat ou la tafrit, l'autonomie, tahamul masouliya, confiance en soi, thiqa b'nafs,
confiance. Disons, le mot li yokhrej barsha lehna, c'est la confiance. Kharaj barsha marat, bsouri bilarbi, donc confiance en soi, confiance, thiqa binafs, l'autonomie, ok, le marifa. الثقة le courage, ok, très bien, la fierté, aller de l'avant, la réussite. Excellent. Et on sait ce qu'on a la possibilité de mettre les deux nuages par là-bas. Là, je me suis fait un casus par là-bas. Là, je m'amène la capture d'écran pour tel que chat. D'accord. Zini, qu'on a dit en image, on a fait un menti là. D'accord. Et il a mis ma chaîne maintenant. Juste un petit moment, quand c'est un ami, là, je me prends de choisir le temps des cartes. Ok, d'accord. Bé. Ok. مازال les interventions, on peut pas aller. Bien. Excellent. Donc la bienveillance rajoute beaucoup plus de choses, on va dire, que la fermeté, ce qui est très bien. D'accord. Donc, au fond, le message de bienveillance, il passe, on le voit, on le sait, on en est. Mais Akdil Menoli, la réussite, confiance, persévérance, autonomie, enfant responsable, enfant ami avec le prof, confiance en soi, la fierté. Aller en avant, d'accord. Enfant intéressé. Excellent. L'enfant recherche plus. Le culte du consommateur roi. C'est aussi. C'est très vrai aussi. Enfin, c'est ce qu'on appelle l'enfant roi. C'est le syndrome de l'enfant roi qu'on voit souvent. Z. La persévérance, la réussite, la confiance, etc. B. Habit juste, Nestana juste, en fait, elle nous met aussi l'autre nuage de l'autre côté. On a besoin de comparer pour voir Heza Win ou Heza Win. D'accord? Ok, la fierté aussi, Shaft, la réussite, le courage. Ok. Donc, juste un moment, la coiffe, je vais vous donner la jarre. Très bien. Si vous avancez de temps, la jarre. Ok, très bien. Mais alors, je repartage l'écran, du coup, mais là. بي مدام مدام اونس كانت لنا حطتهم لنا بعد بعضهم كما سان بو كومباري ان فيت كيس كو بروفوك كو بروفوك اون ادوكاسيون فيرم اي كو بروفوك اون ادوكاسيون اونيكمون بيانفيانت شكون ينجم يحكي لي على كيل سون لي موفي كومبورتمون دي انفون اكتبوا مع الشات مش لازم نعملوا منتيمتر توا كان نجموا نكتبوهم ديريكتومون على الشات كان سان نجموا Alors, Marie le partage. Voilà, non, c'est bon. Mais maintenant, je me texte à la fenêtre de chat, en fait. Donc, les mauvais comportements que vous voyez le plus souvent chez les enfants de théâtre. Dans une femme au bad, vers la fin, allez, on a cette liste-là. Être trop sensible, ok? Mounib, je peux intervenir, bien sûr. Mounib, vas-y. Madame. Oui, Faf. Lequel nous avons mis le personnage
أديك ما أعرف كل حاجة معناه. تكتب la question sur la fenêtre de chat. Là j'entends vraiment. Ok. Okay. Merci. Donc, Olfa dit être trop sensible. Delbash al bohl kol haj ala kifu, les moubelettes. D'accord, ça c'est un des comportements. Ok. El bohl kol haj ala kifu. Mais Madame Fatma Troul, il n'y a pas de mauvais ou de bon comportement, tout est relatif, excellent. Mais j'adhère complètement. Kafet Tazamr, ok. El Ata al Mashrout. Les enseignants, Limana, est-ce que vous pouvez nous dire en fait qu'est-ce que justement les comportements, les fait classe que vous voyez qui vous fatiguent, Manta, je nomme les comportements qui vous poussent un peu à bout. L'indifère, ok. Donc, Mouni Bikoul, si on parle à une personne ayant volé, on voit que tout remonte à l'enfance, enregistré par le subconscient. Oui et non, Mouni, alors la question, enfin, la remarque, elle est très pertinente. Est-ce que cela veut dire que l'enfance interne, elle va régir, la suite, le col, allez. Kenshoft, à un moment donné, Narki ou Alaf, l'adolescence, ça m'a toute une phase de remodelage complet du cerveau, d'accord. Et bien, fait le phase est dit que déjà, on est capable de justement de changer d'identité, où tout au long de la vie, on garde une certaine, on parle de plasticité cérébrale, c'est-à-dire qu'on est capable de renforcer certaines connexions ou certaines connexions neuronales, inajmu yitnahaw, d'accord. C'est pour ça qu'on est capable de changer, on est capable, là où on met le focus, notre cerveau, pshitaba, les connexions cérébrales internes chitabo. Donc il y a quelqu'un hatit le focus à la hajet l'haiba ou la négative ou la mchit dans un système donné, en fait mon cerveau il va me suivre dans ça. Il y a quelqu'un hatit le focus à la hajet et l'inage mouhizouni vers hajet plus épanouissante, hajet plus positive, etc. Et ben mon cerveau il m'a aidé, le cerveau interne en fait il va toujours m'aider à réaliser ce que moi je veux faire, d'accord. Donc voilà. Et là, c'est mon message, disons, positif du jour. Par exemple, un enfant de 7 ans a volé un bonbon. Ses parents lui disent énervé voleur. C'est enregistré par le subconscient. Subconscient, ses parents ne lui voulait pas de mal. Si, mais ce n'est pas, mais 20 ans plus tard, ça remonte. Hoa, femme amenheta, mais évidemment, en fait, les parents, Zeda, ils essaient de faire du mieux qu'ils peuvent le moment donné, le moment hédéga. Tu as belle connaissance, tu as une mauvaise situation, etc. Il dit Haja, d'accord. Ou Seigne Haja, ta femme a hajet qui vont être enregistrés, l'enfant il va vivre des choses, il doit être aussi, il va vivre des choses négatives, ça fait partie de la vie, d'accord. Moucha a un incident,
cet enfant il va être malheureux toute sa vie, voilà, fait subconscient, et dès qu'il va, ça va être enregistré, donc ça va influer sur tous mes comportements, l'imambad, etc. D'accord, c'est beaucoup plus complexe que ça. On parle de la globalité de l'interaction avec l'enfant, d'accord? Donc, mouche acte par acte, vraiment, tel jour il m'a dit ça, voilà, tel jour il s'est passé ça, etc. C'est vraiment dans l'ensemble, cette relation qui fait chéria, c'est plus un message d'espoir qu'un message culpabilisant que je suis en train d'envoyer à Khadr. Justement, Enabid, je suis passée par là, voir qu'il y a ce qui se passe dans le cerveau de l'enfant. Au début, j'ai paniqué un peu. Je me suis dit, ah, normal, tac, normal, tac, etc. À un moment donné, ça y est, c'est fini, j'ai détruit le cerveau de mon enfant. Mais en fait, non. Non, pas du tout. C'est d'abord, de par notre nature, les hommes nous bénissent des hajets négatifs ou hajets positifs. C'est aussi une sorte de préparation que de vivre ça. Mais nous avons vu au lieu de nous dans un monde où tout est rose, tout est beau, etc. La vie n'est pas comme ça, d'accord. Chaque adulte et il va bichirab l'abed qui seront moins matures, on va dire, au niveau émotionnel que lui, au niveau social que lui. Donc voilà. Je dis que Mouchmanet a un parent qui a dit un mot qui l'ahdam tarosh à son fils. Ça va, ça veut dire que c'est fini, que 20 ans plus tard. Cet enfant, ça va se réaliser comme une prophétie, d'accord? C'est beaucoup plus complexe que ça. Mais, donc, indication de quoi l'alerte, c'est le même qui a fait l'alerte, ou la alerte, ou l'imède, ou l'imède, ou l'imède. J'aime beaucoup, mais j'aime beaucoup, en fait, cette question. En fait, Najm Diouf Soueil, en fait, qui fait tu définis alerte Baouledek, ou qui fait vous définissez sa marnie à alerte Betlemetek, en fait. Donc, maintenant, je me trame si une ébauche de réponse à l'Ezoumazouz, d'accord? Donc, Badandi, Rubama, il y en a à Tfel, qui est Zomouna. Voilà. Oui, ça peut être mental. C'est pour ça qu'il faut définir, disons, la relation avec l'enfant qui fait chéya. Donc, comment vous la définissez? Donc, est-ce qu'elle est ferme? Est-ce qu'elle est bienveillante? Est-ce que femme a des règles claires? Est-ce que comment elle est? Est-ce qu'elle est ferme? Est-ce qu'elle est bienveillante? Est-ce qu'elle tombe vers un côté plus que l'autre? Est-ce que et voilà, c'est vraiment un travail de conscience. L'inamlo ou artéjinor adnkram falalir aidi qui fait chéler et rééquilibrer, d'accord? Donc par la suite. Donc, très bien. Donc, Nash, est-ce que vous voyez l'écran? Et Naram, la partage d'écran, t'as non, non, non. Ça va, tu fais l'écran, t'es? Wafhi, les deux images? Je sais pas, peut-être. Aïe. Oui, Andiena, oui. Andiena, oui, Wathin, Nash, pour les autres. Est-ce que Wathin, les images? Normalement, l'écran, il est bien partagé. Hein, normalement. D'accord. Mais, alors, donc, en fait, Anna, les deux modes de parentalité, donc le mode plutôt ferme, où ma femme est bâche à bienveillance, et le mode plutôt bienveillant, où ma femme est bâche à fermeté. Donc, on voit ce qui ressort, c'est la fermeté, c'est la fatigue, c'est Adam Tawassol, le rejet, le stress, Alek Tawassol Kebira, la peur, d'accord, ça c'est le côté négatif, l'angoisse. Mais de l'autre côté, enfin, sur laquelle je veux aussi mettre un peu le focus, il y a la sécurité,
D'accord. Donc, dans une relation basée sur la fermeté, femme a la notion de sécurité. D'accord. Mais de l'autre côté, c'est le côté bienveillance. Alors, Kenchoufou Felklin, femme a alors la confiance, la persévérance, l'enfant intéressé, la confiance en soi, la hâte, Fabizake, l'enfant ami avec le prof, la fierté, le marfa, l'enfant responsable, fiqa ben nafs, zra li choufouha, khali hadik fi négatif, donc fiqa naoudou. La communication, l'autonomie, la réussite. Donc, par contre, le côté négatif, donc, ce qui est aussi un peu vrai. Donc, le culte de l'enfant roi, on va dire, d'accord. Ça m'a rajouté la négative, je vous fais pas vraiment. Hein. Donc, c'est ça, c'est le culte de l'enfant roi, en fait, disant, qui va penser que tout lui est dû, que l'abid, les hommes, yamlou, le hajet, les habali, le col, d'accord, et qui va, ce n'est pas non plus un apprentissage de la vie. Donc, qu'est-ce que nous avons fait pour nous, d'accord? Qu'est-ce que nous avons fait pour nous? Le hajet positif, le hajet le béhé, le hajet l'année, l'éducation bienveillante, nous avons beaucoup plus de hajet positif, qu'en d'accord, Bekri. J'ai commencé la présentation de ce qu'on aime les enfants, d'accord, ou ce qu'on aime les enfants dans le bureau. J'ai dit que ce qu'on aime les enfants, ce sont les choses qui sortent dans la bienveillance, le tahammul, la mas'oulia, la confiance en soi, la réussite, la persévérance, etc. D'accord. Donc, sortent tout le monde de l'éducation bienveillante. Mais il y a des points qui sont importants à retenir aussi. Et les enfants, c'est vrai qu'on peut avoir un enfant qui se croit roi, d'accord, donc qui se croit tout dit, tout a tout permis, tout dû, la bête les miamlou le lihab ali el kol, etc. D'accord. De l'autre côté, la fermeté, qu'on a bechtati plus le stress, l'angoisse, etc. Donc, mahouchez al inhabun adiwa, mais la fermeté aussi, najemtati de la sécurité. Je m'en ai à de la sécurité, l'enfant. Qui m'a choqué, le cerveau on n'est pas mature, donc il ne sait pas chno ou al-haja, il n'a pas de bonne capacité de jugement, on va dire, fait les situations, d'accord. Donc il a besoin aussi qu'il y ait quelqu'un, un adulte, qui dise stop, qui mette des limites, qui mette un cadre au fonctionnement de cet enfant, voilà, de l'adolescent aussi, d'accord. Évidemment, ma ouche fait le cadre, les mouïms, c'est à choya, d'accord, mais le cadre doit exister. Donc, Hedash Habin Al-Khajo à travers le nuage de mots. L'Akhira, je suis contente que ça penche du côté bienveillant. Sa'at, des fois, j'ai du côté ferme. L'Hajet Behin, il joue plus du côté ferme que du côté bienveillant. Donc, ça montre que, disons, tout au long de ce sommet, on va dire, vous avez beaucoup évolué. Yama Ta'alam, Yama, vous aviez déjà ces compétences en vous, ce qui est excellent. Barakal Alikoum, du coup, comme groupe. D'accord. Mais, Manarech, est-ce que tu as fait l'écran, Thierry? Je dois arrêter le partage. Andy, ça, madame Kaufer, la voilà. Ok, merci. C'est fait. Allez-y. Tu as fait la présentation ou à la narration de notre partage? Non. Mais le partage, s'il vous plaît. Ok, voilà. Normalement, c'est bon. C'est bon, oui. B. Mais donc, les piliers de l'éducation, de la discipline positive, Huma, les piliers, Huma, la bienveillance et la fermeté à la fois, déjà. Donc, Kima Shofna, une éducation bienveillante, Wahada, n'est pas suffisante parce qu'elle va donner à un enfant qui se croit tout permis, ou les psiwali, amal ala l'okhrim, shamlou l'hajat li habalihom, etc. Ou la fermeté n'est pas suffisante, Akhatar, elle génère l'angoisse, le stress, elle génère un sentiment de mal-être absolu, d'accord. Donc, Matatish, les résultats, l'inhabalihom, ou Shofna, le résultat même au niveau cérébral, d'accord. Donc, elle a des effets, Hatta ala.
le cerveau de l'enfant, d'accord. Mais donc le deuxième axe, Howa développait un sentiment d'appartenance et d'importance, c'est-à-dire que cette discipline positive, nous croyons que l'enfant, les aspirations qu'a l'enfant, voilà l'adolescent, c'est d'appartenir, d'accord, à un ensemble, donc d'appartenir à l'aile, d'appartenir à un groupe, une classe, voilà la classe dans son ensemble, voilà l'école, voilà le lycée, etc. Donc il doit développer ce sentiment d'appartenance, il doit pouvoir le développer, et le sentiment d'importance, je m'attends que sa présence est importante. Moi, simplement, il n'est pas simplement un membre du groupe, mais c'est un membre actif de ce groupe-là. Sa présence est importante, il apporte un plus et il est valorisé pour ce plus qu'il apporte. D'accord ? Le troisième axe de la discipline positive, c'est de dire que l'éducation doit être basée sur la recherche de solutions et non de punition. C'est-à-dire que quand l'enfant a un comportement donné, l'enfant essaie de faire du mieux qu'il peut selon les connaissances ou les aptitudes pour le moment ou selon la situation hédica, d'accord. Donc nous, notre rôle en tant que Mourabi, c'est pas de réfléchir à la punition qui va permettre qu'il va comprendre la mesure de son erreur, mais c'est de rechercher la solution à ce qui a fait qu'il se comporte de cette manière, d'accord. Donc l'aider à rechercher la solution, donc le pousser à la trouver. Ouais, idéalement, c'est que c'est lui qui trouve la solution, mais évidemment, enfin, des étapes pour arriver à ça. Donc, le quatrième axe, c'est enseigner la responsabilité personnelle et la responsabilité sociale. Je suis responsable de mes actes, de mes choix, de mes décisions, de mon comportement, d'accord. Et ça, on peut l'enseigner à l'enfant, le choix, par la pratique. Et la responsabilité sociale, c'est-à-dire la responsabilité face à Fedar, Mathalan, Andy, une responsabilité, Andy, certaines choses que je dois faire, Mathalan, Naon, Shahatata, Shalem, Taula, voilà, etc. Ça, c'est une responsabilité, d'accord. Je dois, t'as un dit des devoirs, fait de la classe, un dit le devoir, j'ai une certaine responsabilité, je sais pas, face à un tableau, voilà, etc. Un dit un rôle, un dit une certaine responsabilité, un dit un certain devoir, d'accord. Ensuite, l'axe, l'akhrin, il faut avoir confiance en ses capacités et utiliser ces capacités-là. Il faut malifier toute la présentation de Tanhalknin. Je vous invite à la voir, il est qu'il y a un méchekouhej par rapport aux forces de caractère, d'accord. Mais en fait, on va inciter l'enfant à voir ce qu'il y a de bien en lui, d'accord, à travers l'éducation. Donc, l'éducation positive permet à l'enfant de voir ses forces. Ses forces, il faut les talents théo. Voilà ces forces de caractère. Donc, les forces de caractère, en psychologie positive, on parle de 24 forces de caractère, parce qu'on n'aura pas le temps, d'accord. Mais je vous invite à aller les voir. Donc, le kolna, toutes ces forces-là en nous, mais qui sont ordonnées d'une certaine manière. Donc, je vous invite à essayer de trouver chez vos enfants les forces de caractère qui permettent de chez vos enfants et vos élèves, les forces de caractère, ça change toute la relation. Si on bâtit sur ça, rien que sur ça, honnêtement, la relation, elle change du tout au tout. B. Le tardé, en fait, le mauvais comportement de l'enfant, et donc, il n'y a pas de mauvais comportement et de bon comportement. En fait, c'est vrai, parce que l'enfant, nous partons du principe, donc Lyoum, avec les connaissances que nous avons, les connaissances en neurologie, etc., que nous savons que l'enfant fait de son mieux. D'accord. Et l'adolescent fait de son mieux avec ses capacités, avec la situation donnée. Il ne cherche pas vraiment à s'attirer des ennuis. C'est pas le but de l'enfant et de l'adolescent, mais c'est le moyen que Warta il a trouvé pour pouvoir exprimer son besoin et ses émotions-là. Donc, je trouve qu'en discipline positive, Fama a un outil que j'ai trouvé assez exceptionnel, la grille d'identification des objectifs mirage de l'enfant. Donc c'est pas l'outil dans sa totalité, c'est une petite partie de l'outil aidé en question, donc qui dit que à chaque comportement, femme a un objectif en fait, femme a une raison, d'accord, on va dire, qui pousse l'enfant, femme a une croyance, qui pousse l'enfant à avoir ce comportement-là. Mathalan, l'enfant qui perturbe, qui fait l'intéressant, qui fait le clown, qui dérange, qui interrompt. C'est un enfant, hein, d'où la croyance, je compte seulement
quand on me remarque ou que j'obtiens une attention spécifique. Je ne suis important que si tu es centré sur moi et que sur moi et que je t'ai pour moi tout seul. Donc, il y a des cas, il cherche à attirer l'attention, une théâtre, etc. Et comment on peut réagir avec cet enfant, en fait, pour essayer justement à changer un peu cette croyance qu'il a et donc à améliorer ce comportement? C'est proposer des occasions de contribuer, c'est mettre en place des routines, d'accord, et laisser la routine faire l'effet. C'est rediriger l'élève vers une tâche pour qu'il puisse recevoir une attention utile, etc. D'accord. Donc, il y a des méthodes pour gérer ce genre de comportement. Il y a un comportement ponctuel. Il y a l'enfant qui tend à faire ça la plupart du temps. Aulidna fama haja qu'ils font très souvent, voilà les élèves internes, nafou, c'est quoi le comportement qu'ils font à répétition, manta, et qui vient nous titiller, nous chercher quelque chose en nous, d'accord? Donc, quand ce comportement-là, c'est celui-là, la croyance qui est derrière, c'est celle-là, d'accord? Et on peut y faire quelque chose, on peut toujours y faire quelque chose, d'accord? Quand le comportement, c'est l'enfant qui provoque, qui conteste, qui défie, qui essaie de prendre le contrôle, la croyance qui est derrière, généralement, c'est « je n'appartiens que lorsque c'est moi le chef » ou « que lorsque c'est moi qui contrôle », « que lorsque je me sens en position de force », « que je dois prouver que personne ne peut me commander » et maintenant, le message qu'il veut passer, c'est que « vous ne pouvez pas me forcer », d'accord ? Donc, avec cet enfant-là, on agit en général, on va lui proposer des façons de contribuer de façon utile, d'accord? Autrement que par la provocation et par la contestation. On va poser des limites, mais on va poser des limites raisonnables. Donc, le cadre, il ne doit pas être trop restreint. Donc, mettre des limites raisonnables et donner le plus de choix possible avec ce genre d'enfant. Simplement lui donner le choix, c'est lui donner la possibilité d'un certain pouvoir, en fait, d'exercer un certain pouvoir. Et évidemment, mettre une routine qui soit claire, d'accord, qui ne soit pas très restrictive, mais elle doit exister, elle doit être claire. Puis ce genre de situation aussi, il est très utile que nous avons marre, nous, et qu'on décide face à ce comportement, je réagis au comportement et je décide quand il va faire ça, puisque c'est un comportement qui est répétitif, c'est ça qu'on est en train d'adresser, ce comportement, il y a des comportements qui se répètent, d'accord? Donc, et je décide la prochaine fois que je vais voir ce genre de comportement, comment je vais réagir. Donc, c'est un travail de conscience qu'on doit faire, nous, sur les adultes, nous sommes capables de le faire, et que l'enfant et l'adolescent, lui, il n'est pas capable de le faire à la louche. Donc, quand l'enfant se comporte de façon blessante, quand il est vindicatif. Quand il est vindicatif, quand il est grossier, quand il a un comportement qui peut être autodestructeur, en fait, le message qu'il est en train d'envoyer ou la croyance qui est derrière, ce qui provoque ce comportement-là, c'est « je n'ai pas de sentiment d'appartenance, donc il ne se sent pas appartenir, je souffre, donc je fais mal aux autres, tout comme moi j'ai mal, je ne peux pas être aimé ». Donc, en fait, ça, c'est la croyance qui est derrière ce comportement-là, l'enfant derrière le comportement qui blesse, parce que lui, il est blessé au fond et qu'il est en train de transmettre ce message et que c'est le seul moyen qu'il a trouvé de transmettre le message météo, d'accord? Donc, en fait, on va essayer plutôt de se connecter à l'enfant, de valider cette émotion qu'il ressent, de cogiter, de trouver le moyen avec lui pour l'impliquer un peu plus, de capitaliser un peu sur ses points forts. C'est un ensemble de choses qu'on peut faire dans ce sens. Ensuite, un autre comportement qu'on voit souvent à répétition chez certains enfants, c'est le retrait. Le pessimisme, on a l'impression qu'il est indifférent, qu'il ne réagit pas, qu'il est sans espoir, qu'il lâche, qu'il n'a pas, qu'il dit qu'il ne va pas y arriver. C'est un enfant qui pense qu'il n'appartient pas. C'est un enfant qui pense qu'il ne peut pas aider, contribuer, qu'il est inutile, qu'il ne va pas y arriver, qu'il est inutile d'essayer. Il pense qu'il va rater.
D'accord. Donc, c'est un enfant, il a besoin qu'on lui donne un peu plus de responsabilité, qu'on l'implique un peu plus et qu'on lui montre qu'on a confiance. Cet enfant, si vraiment il n'a pas du tout confiance en lui, lui donner l'occasion de réussir. Capitaliser sur les forces. Donc, le Colnaan a des forces. Elles existent en nous, Maoujoudin. Donc, capitaliser sur les forces, ça peut changer la donne. Donc, Hedekar, en ce qui concerne donc, le comportement de l'enfant et comment on peut se connecter à l'enfant, d'accord ? Et comment, pour essayer de comprendre le comportement qu'il y a derrière, d'accord ? Mais, la fermeté qui me semble, pour moi c'est aussi important. Qu'on soit ferme. Mouchmanata, les amis, ne ferme l'enfant, etc. Je trouve le moyen de l'aider, etc. Mouchmanata, manhotesh un cadre. Je dois mettre un cadre. Le cadre me permet de me protéger moi et de protéger l'enfant aussi. D'accord ? Donc, me protéger moi, shnomanata. Manhotesh le cadre permet justement de dire que moi, j'ai aussi des droits en tant que parent, voilà, en tant qu'enseignant, voilà, etc. Ma salane, femme a une façon de répondre que moi, je n'accepte pas, d'accord ? Ou elle, Messalane, en tant que parent, femme à un moment où, voilà, moi, j'ai besoin qu'on me laisse tranquille, j'ai besoin de travailler, voilà, j'ai besoin d'avoir un moment pour moi, pour me reposer, etc. Et d'accord, lieu d'être dans le cadre du cadre, d'accord ? Donc, la fermeté est importante pour le parent, d'accord ? Et pour l'enfant, allez, pour l'enfant, bien sûr, qui m'achoppe, le développement neurologique de l'enfant, l'enfant n'est pas capable de prendre... les décisions en tenant compte des paramètres, disons, socio-émotionnels. Il n'est pas capable de le faire de façon raisonnable, de façon à ne pas se faire du mal ou à faire du mal aux autres. Donc, mettre un cadre, ça permet aussi à l'enfant puisqu'il le sait, hein, de façon inconsciente, qu'il n'est pas capable de le faire, mettre un cadre permet aussi de rassurer l'enfant. Enfin, je pense que c'est un peu nuage, la sécurité, c'est vrai, l'enfant a besoin de se sentir en sécurité et le cadre permet de rassurer aussi l'enfant, d'accord ? Donc, le cadre est très important pour l'enfant et pour le parent. Une éducation qui est permissive n'est pas une bonne éducation dans le sens où c'est une éducation qui va passer le message à l'enfant, là où tout est autorisé, indépendamment des conséquences sur les autres, sur l'environnement, sur ce qui t'entoure, etc. Et donc cet enfant, plus tard dans la vie, va être très malheureux, d'accord ? C'est un enfant qui n'aura pas appris les limites, d'accord ? Donc, la fermeté, donc, c'est aussi le fait d'énoncer clairement les règles et d'énoncer clairement les conséquences. Remarquez que j'ai dit conséquences, je n'ai pas dit punition. Alors, en discipline positive, on ne croit pas aux punitions. Les punitions n'est pas haja qui peut apporter un plus à l'enfant, voilà, à l'adolescent, voilà, à l'élève, voilà, etc. Le terme punition en lui-même est très négatif, d'accord ? Il dit que je dois te faire te sentir mal pour ce que tu as fait, d'accord ? Donc, c'est pas haja, ça ne transmet pas un message positif. Éduquer, ce n'est pas ça. C'est de lui apprendre, au contraire, de lui dire que quand on réagit de cette manière, ça, c'est la conséquence. Allez, viens, on va apprendre à réagir, voilà, à agir différemment, d'accord ? Et d'ahawa, le but de l'éducation. Et donc, punir ne rentre pas dans ce cadre-là. La bienveillance, donc, femme à haja, moi, qui fait beaucoup de... disant qu'il y a beaucoup changé ma vision sur l'éducation. En fait, c'est le fait de dire qu'à tout moment, fait le rapport interne à l'enfant, se rappeler qu'on doit passer, quel que soit le comportement de l'enfant, un message de bienveillance envers l'enfant et un message de fermeté qui est adressé au comportement. Quand l'enfant il a un certain comportement qui vient, qui nous dérange, d'accord, ce comportement-là. Donc, je dois passer le message de bienveillance envers l'enfant. J'évite évidemment d'utiliser le tasmiye, d'accord, qu'on adresse directement à l'enfant et qui vient parler qui vient toucher à son identité, d'accord ? On va éviter ce genre de choses, on va vraiment, la fermeté, on va l'adresser au comportement. On dit que ce comportement est inacceptable parce que, on dit que ce comportement, rahunaj miuja, etc., mais on ne dit pas à l'enfant, tu es, haka, voilà, tu
معناتها لي ديسكريبتيف اللي موجهين للطفل est vraiment c'est quelque chose de terrible la construction de la personnalité de l'enfant, d'accord? Donc se rappeler toujours qu'on doit être bienveillant envers l'enfant et ferme envers le comportement. Donc il y en a pour moi c'est une des choses qui a changé ma dynamique de comportement avec mes enfants réellement. Mais l'année en discipline positive en fait donc la punition provoque, disons, les quatre R suivants. Il y aura la rancœur, c'est-à-dire le fait que l'enfant va se dire « ce n'est pas juste, je ne peux pas faire confiance aux adultes », d'accord ? Voilà la revanche, donc le fait que l'enfant il va se dire « bon, c'est eux qui gagnent cette fois, mais je vais me venger », d'accord ? La rébellion, c'est-à-dire il va se dire « je vais faire exactement l'inverse de ce qu'ils disent pour prouver qu'ils n'ont pas gagné, d'accord ? Mais ils n'ont pas décidé sur moi, etc. » Donc, il va complètement se rebeller. Saura, en fait. Voilà le retrait, d'accord ? Donc, l'enfant, « chinkas al-fi haja, abchi khaf » tellement, d'accord ?« chinkas al-fi haja, abchi khoul » Donc, « haya fok alaya, ma'atch na'amal haka » Mais en fait, il n'est pas du tout convaincu et il nage très souvent ce qui va se passer, c'est qu'il va se faire la même chose, mais en cachette. Bessarqa, voilà, l'intelli déconti, varq, idour, etc. D'accord ? Et ça va avoir aussi des répercussions sur la confiance, etc. Parce que c'est un enfant qui va être dans la peur, tout ça. B. Nadio. Donc, c'est pour ça qu'on ne parle pas de punition. La punition est bannie, d'accord, dans l'éducation positive, dans toutes les approches d'éducation positive. Mais on parle de conséquences. Si les conséquences que vous donnez, si les punitions que vous donnez à vos enfants, elles respectent ces quatre règles, d'accord, c'est pas le nom qui est important. L'essentiel, alors, femme à ce qu'on appelle les conséquences, ou femme à deux types de conséquences. Je n'appelle les conséquences logiques. Les conséquences logiques, elles doivent correspondre à la règle des quatre R. La conséquence doit être respectueuse, c'est-à-dire qu'elle respecte l'enfant. On a déjà le message de bienveillance, d'accord. Maintenant, je ne vais pas attaquer l'enfant. Ce n'est pas le but d'une conséquence. Elle doit être raisonnable. Donc une femme à qui elle m'a dit, très souvent, plus jamais je ne te laisserai faire ça. On va, bien sûr, ce n'est pas vrai, d'accord ? Donc, nous coulons au fil des conséquences qui ne sont pas raisonnables et que finalement, on finit par ne pas faire. Donc, vraiment essayer d'éviter à le plus jamais, etc. Donc, en lien avec la situation, l'enfant qui a oublié ses trousses pour la énième fois à la maison et donc vu le Covid, etc., l'échange de matériel ou la conséquence n'est pas qu'il sorte faire quatre fois le tour du terrain, d'accord ? Donc ça n'a rien à voir avec la situation. La conséquence serait plutôt que il soit obligé de trouver le moyen de recopier le cours FEDAR, voilà, etc. Donc ça c'est une conséquence qui est logique à ça, d'accord ? Et révéler à l'avance, c'est-à-dire que je dois, ça rentre dans le cadre des règles, d'accord ? Wartelinam, une charte, voilà, les règles de la classe, voilà, de la maison, etc., d'accord ? Je dois définir la règle et la conséquence associée à la règle. Donc, Eva fait le cas de l'utilisation des conséquences logiques. Je vous garantis que si vous commencez par utiliser une méthode d'éducation positive dans l'absolu, que ce soit la discipline positive, voilà, etc., en fait, vous n'allez pas beaucoup recourir à ça. Peut-être que vous allez avoir besoin de ça, mais au final, vous allez plus utiliser ce qu'on appelle les conséquences naturelles. C'est-à-dire que l'enfant va avoir certains comportements que nous, on va juger, pas corrects, etc. Mais il va y avoir des conséquences naturelles à ces comportements. Je m'en ai à conséquences naturelles, c'est-à-dire, hatta sans intervenir, il va voir que son comportement n'était pas le bon comportement adapté pour satisfaire le besoin qu'il avait, d'accord ? Donc, les conséquences naturelles sont des conséquences que l'enfant vit indépendamment de l'intervention de l'adulte. Donc, déjà, il a vu que cette conséquence est négative du comportement qu'il a vu. Allez, je les aime, Narnazido, on rajoute encore un degré à cette conséquence-là, d'accord ? Évidemment, maintenant, quand je ne fais pas l'enfant,
ou on colle à il y aura une conséquence naturelle, il va se sentir bad, alors que le il est en train de casser quelque chose, voilà, de faire du mal à quelqu'un. D'accord ? Donc, je peux observer et le laisser, disons, expérimenter la conséquence naturelle. D'accord ? Donc, enfin, la notion de réparation aussi qui est importante en discipline positive. La réparation, c'est-à-dire que l'enfant, Wartelli, il a un comportement donné, d'accord ? Et si ce comportement a casse un objet ou j'a quelqu'un d'une certaine manière, un geste, etc. Enfin, la procédure de réparation, on va dire. Donc, l'enfant doit apprendre à réparer ce qu'il a fait, donc d'une certaine manière. Donc, aider l'enfant à cogiter sur ça, aider l'enfant à. Donc, c'est des étapes, hein, évidemment, c'est en fonction de l'âge, en fonction de l'état de l'enfant, mais souvent. L'enfant il est dans le comportement où il est il est sujet à des émotions fortes, etc. Qu'il faut réparer, etc. Il faut laisser le temps au temps, d'accord. Il faut laisser le temps à l'enfant de se calmer et nous, à nous de se calmer. Mon bad, là je montrerai à mon fils une possibilité de réparation, etc. Enfin, la dernière partie, il est à la recherche de solutions. La recherche de solutions, c'est-à-dire que les femmes ont un comportement qui est out. Dima, etc. Il faut aider l'enfant à réfléchir à des solutions qui permettent que ce comportement ne se manifeste plus. D'accord ? Naounou, à la khatrahoua, en fait, mahouch l'éri le moyen de casser cette boucle. Ce comportement est en train de ressentir. Femme a des besoins, des émotions qui sont en train de s'exprimer en lui, qui font qu'il a ce genre de comportement, mais il n'arrive pas à trouver le moyen de sortir de cette boucle-là. Donc, essayer de cogiter avec l'enfant, d'accord ? Ah, on a de cogiter de notre part parce que c'est nous qui sommes les adultes, mais aider l'enfant à trouver aussi par lui-même le moyen de satisfaire ses besoins et pour éviter ce genre de comportement, d'accord ? Le dernier point, il va capitaliser sur les forces. Donc, vraiment, Aina, pour moi, c'est quelque chose qui peut changer la dynamique de la classe, la dynamique familiale. Quelqu'un femme haja que je veux que vous reteniez le rapport à l'enfant, il a vraiment capitalisé sur les forces. Donc, les forces, on a deux types de forces. On a les forces de caractère, la gentillesse, la curiosité, etc. D'accord ? Donc, on a 24 forces de caractère, dans la présentation de l'Alfnin. Donc, on a ce qu'on appelle les talents. Les talents, c'est-à-dire une aptitude à faire quelque chose qui est assez au-dessus de la moyenne. Donc, à dessiner, à chanter, à fabriquer des choses. Ça peut être Lego, puzzle, ça peut être Fifi, un jeu, Shatranj, ça peut être mille et une choses. Donc, d'accord ? Donc, une aptitude à faire quelque chose qui est au-dessus de la moyenne. Mais, donc, comment, en tant que parent et en tant qu'enseignant aussi, on peut faire ça ? Donc, d'abord, l'observation. D'abord, l'observation. Donc, observer Aouledna, Nchoufou, vers où il va, Nchoufou, vers Wart, Mantaj, Chni El Haja, Eliyaki, Wali Habarcha, Elishéou Fin Biha, Eli Wart, El Récréation, Filmak, De Bimchou, La Yamloha, de façon automatique, Chni El Haja, Eli, Mantaj, le sujet, Eli Kitchbet, Talkar, vraiment là, ils sont tout oui, ou Marakzin, Mana, etc. Les enfants sont en petit âge, le début, le primaire, on peut avoir des discussions à la school, les héros, d'accord, ou allez, je vous mets des héros, ou allez, ou je n'en ai pas de problème, ou je n'en ai pas de problème, etc. Donc, ça peut être super intéressant d'avoir ce genre de discussion en classe. Donc, l'enfant va essayer de se définir par rapport à l'héros, de voir qu'est-ce qui est en lui. Etc. Donc, ça peut être super intéressant d'avoir ce genre de discussion avec des enfants en bas âge. En classe aussi, on peut définir une semaine par force. Je me une semaine par force. Cette semaine, c'est la semaine de la gentillesse. Donc, c'est donner l'occasion aux enfants
d'expérimenter les forces les enfants à cet âge mais à fouche nous les forces soit souvent enfin femme à certains tests mais il y a pas vraiment de tests scientifiques qui permettent de capitaliser sur les forces des enfants en bas âge, d'accord? Donc femme a un test qui est scientifique mais à partir de 10 ans, avant 10 ans ma femme a hatchet qui nous permet disons de nous orienter à part l'observation, la discussion avec l'enfant ou l'expérimentation de lui donner la possibilité d'expérimenter. Cette semaine c'est la semaine de la gentillesse et le col comme fait la classe je vous demande de faire un acte gentil ou on est moi dit man tayam un paragraphe voilà ils viennent en parler on redem la classe voilà ils décident de faire ensemble un acte gentil l'abd voilà donc enfin ça dépend du but donc en fait les enfants qui ont cette force là en eux ils vont le voir et vous allez le voir parce que ces enfants-là, ils vont être beaucoup plus énergisés en faisant cet exercice-là, voilà, cet acte-là. Femme a aussi la possibilité de capitaliser sur les forces de chacun pour la gestion de la classe, pour les enseignants entre vous. Je me manais à Mathalan, celui qui écrit le mieux. Femme a Wahda Manta, Mathalan, enfin Wahda, c'est stigmatisant, disant à un élève qui écrit Khir, Hawalibsh Kharjou Yekteb la date, par exemple, ce tableau, voilà, Hawalibsh Yekteb un paragraphe qui est important, etc. Mathalan, l'enfant qui aime chanter, lit Soutouhlo, etc. Yakra la poésie, par exemple, je dis n'importe quoi, une fois par semaine, là, voilà, par mois, voilà, lihawa. Donc, en fait, capitaliser sur la force de chacun, d'accord. Évidemment, je connais les femmes à classe et à Albin, enfant, qui fait je capitalise sur la force de chacun. Vous allez voir que, en fait, juste après, je vais répondre à cette question. D'accord, Khalioua. Donc, femme a aussi la possibilité d'avoir des discussions sur les passions, sur les talents, sur ce qu'ils aiment faire, sur leur activité après l'école, sur, voilà, et de ramener un peu de ces passions-là dans la classe et vice-versa. D'accord. Aux femmes, à ce qu'on appelle la technique de dépôt positif que vous pouvez utiliser fédère ou fait l'école. Alors, Mounib Bekri Khali Idaken, les parents, ils disent haja négative, mais ça va rester, ça va se déclarer à 20 ans et ça va confirmer que maintenant je t'aurai l'inconscient, tu auras le droit à 20 ans et ça va le faire souffrir. En fait, pour contrer ça, femme à ce qu'on appelle la technique de dépôt positif, c'est-à-dire qu'on va voir avec chaque enfant où il dit, voilà l'élève, etc., plus de communication positive que le contraire. Je vais mettre des remarques positives, je vais capitaliser sur la force, je vais établir une connexion. D'accord. Le positif, certains parlent d'un rapport de 4/5, c'est-à-dire sur 4 remarques positives, je peux me permettre une remarque négative. Donc, d'accord. Et ça, ça permet de... Et non, honnêtement, en tant que maman, là, je suis un non-citoyen, donc c'est une coach parentale québécoise. Donc, Troul, moi, je suis une bonne maman 80% du temps. Les 20%, le rin a dit le haq, d'accord. Donc, a dit le haq, moi, je crois beaucoup en ça. Personne n'est parfait. En tant que parent, on n'est pas parfait. En tant qu'enseignant, on n'est pas parfait. Donc, si on arrive à garder le rapport de 4/5, c'est excellent. Mais déjà, je vous demande d'avoir un rapport de 3/5, c'est déjà très bien, d'accord, pour commencer. C'est déjà un très bon début. Mais je veux parler de lui parce que je ne peux pas. Je suis vraiment une fervente consommatrice dans les TED Talks. Je trouve que c'est très inspirant, c'est très motivant. Ça permet de mettre le focus sur le positif de l'être humain. Donc, en fait, je vous invite à écouter ce talk. Malheureusement, enfin, ma Ken Blanglais, mais il est sous-titré. Donc Eva Chris Vej, je ne sais pas comment ça se prononce. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé Haja Audio. Donc en fait, Chris Vej, il roule. Si vous voulez faire ressortir le meilleur fitness, donc commencez avec leur force. Donc on va dire qui en particulier, c'est un enseignant de maths, de physique et
et de sciences, donc fait le lycée, d'accord. Donc il roule actuellement Tawawa la directeur, mais il a commencé en tant qu'enseignant. Donc il roule Wartelib dit Nkari. En fait, j'ai passé 6 semaines à enseigner et au bout de 6 semaines, je n'en pouvais plus. Donc je suis allée voir le directeur. Je lui ai dit, j'arrive pas à établir ni de connexion, il n'y a rien qui passe, ils sont démotivés, ils sont impolis, limite, ils réagissent, et j'arrive pas avec cette classe, je ne sais pas quoi faire, etc. Et là, le directeur, il lui dit, Béhi, ma tarkilish ala la classe, en tant qu'ensemble, tarkili ala un élève de la classe. Et lui, il lui dit, d'accord, mais là, je vais vous parler de Dom, d'accord, Dom, vous voyez, qui est à l'Iran, donc je me permets, je vous le laisse. Donc, il peut le snarkil comme à la Dom. Donc, Dom, c'est un enfant qui n'est pas motivé, qui ne sait pas faire ça, qui ne fait pas ses devoirs, qui je ne sais pas quoi. Donc, Yarki, le directeur, lui pose la question, il lui dit, a-t-il une chose positive à propos de Dom? Là, il dit, je réfléchis. En fait, au bout de 6 semaines, je n'arrivais à avoir attaché et positif à propos de Dom. Alors, je suis sortie de là et l'objectif était pour la semaine de trouver quelque chose de positif à propos de Dom. Donc, Yohrush, en fait, j'ai commencé à établir une connexion avec Dom. Donc, après l'école, je lui parlais un peu, je lui disais oui, Dioscon, etc., Andou, frère, sœur, etc. Et il dit, en fait, à la fin de la semaine, Dom a commencé un peu à s'ouvrir et il commençait un peu à lui raconter sa vie. Mouche bacha, c'était juste un peu après les cours. Donc, il dit que j'ai appris que Dom faisait 2 heures par jour le matin pour arriver à l'école, 2 heures par jour le soir pour rentrer chez lui. J'ai appris qu'il vient d'une communauté aborigène, d'accord? Et j'ai appris que dans sa communauté, le tambour haj est important et que Dom aimerait bien apprendre à le faire, d'accord? Donc, du coup, j'ai cherché à l'école Shkoun Yam le tambour. J'ai trouvé un enseignant Yam le tambour. Donc, il lui a demandé s'il pouvait le prendre Shwaya Haka après les cours pour faire le tambour avec lui. Du coup, au bout de 2 semaines, Le professeur en question m'a invité à venir assister à un essai, d'accord, au tralt. Du coup, j'ai vu un autre dom, j'ai vu quelqu'un qui était super impliqué, qui était super excité, qui était manta yadrab jouer holkol, d'accord, sur ce tambour-là. Donc, du coup, je lui ai dit, manta, j'ai été impressionnée, j'ai jamais vu ce dom-là dans ma classe, homme les méritos, d'accord. Donc, Habijib, ce dom-là dans sa classe. Donc, Kalo, est-ce que tu peux faire ça devant la classe? Donc, Melo, il était hésitant, Dom, parce que c'est un enfant qui est très solitaire, un peu ours, un peu, voilà, m'approchez pas, me touchez pas, d'accord? Donc, en fait, au bout de quelques temps, Dom a dit, oui, je veux faire ça devant la classe, d'accord? Donc, il a fait l'essai devant la classe et ça a fait un effet impressionnant à toute la classe, tout le monde lui posait des questions, etc. Et petit à petit, en fait, d'autres enfants sont venus avec leur instrument devant la classe. Ou Bechouaï, en fait, ils ont fini par faire un groupe, d'accord, cette classe qui a commencé à jouer devant l'école le lundi matin, Balmaï Bdeo les cours, et le vendredi soir, Balmaï Oufeo la semaine, d'accord. Et donc, il roule l'identité de Dom, cet enfant qui était refermé, M'sakra à la Rouf, etc. Elle a complètement changé, il a pris une autre identité, c'est devenu un leader dans l'école, d'accord. Et Mata, il est devenu complètement différent. On ne reconnaîtrait pas Dom, mais grâce à Dom, c'est toute la dynamique de la classe qui a changé, parce qu'ils ont compris, on a commencé à capitaliser sur les forces, d'accord, le colna. Les enfants et moi-même, parce que j'ai changé de focus, d'accord. Donc, enfin, ça me meurt à l'heure, l'histoire est là. Donc, Habit Nhotel, comme aussi Dylan William, il y a un pédagogue, un professeur émérite et un écrivain qui dit que si nous créons une culture où chaque enseignant croit qu'il a besoin de s'améliorer, pas parce qu'il n'est pas assez bon, mais parce qu'il peut devenir encore meilleur, il n'y aura pas de limite à ce que nous pourrons réaliser. Donc, bien sûr, les amis, donc Rita Pearson, peut-être Talk and Tehatroul, chaque enfant mérite un champion, un adulte qui ne l'abandonnera jamais, qui comprend le pouvoir de la connexion et qui insiste pour qu'il devienne le meilleur possible. Est-ce un boulot difficile? Oh que oui, mais ce n'est pas impossible. Nous pouvons le faire. Nous sommes des enseignants. Nous sommes nés pour faire la différence. Donc, ce n'est pas un au revoir. Donc, je suis en train de dire, ça, c'est un des piliers de la discipline positive et de toute éducation positive ou positive que vous allez trouver. Prenez soin de vous,
على خاطر إذا كان vous ne prenez pas soin de vous, managemouche, vous ne pouvez rien donner, d'accord? Vous ne pouvez pas réfléchir à ce qu'il y a derrière le comportement de l'enfant, vous ne pourrez pas capitaliser sur les forces des enfants et de vos élèves, etc. Donc prenez soin de vous. Et vraiment, il y a beaucoup d'altruisme à être un peu égoïste, d'accord? Vraiment beaucoup d'altruisme, c'est le fait d'être un peu égoïste. Donc, l'année, je vous invite à appliquer la règle du 20-80, la règle de Pareto. Elle réattroule que si 20% de notre temps, on obtient 80% des résultats internes. Ça s'applique à la gestion de la journée interne. Donc, on fait des choses pendant 20% de l'heure interne pour réaliser 80% de ce que nous devons réaliser finalement. Le reste du temps, le 80%, le reste de l'heure, il est mal géré, d'accord? Je ne dis pas qu'il est futile, et, on réalise des choses, etc. Mais on peut revoir à quel 80% est doux, comme je n'ai mon âme au film, qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qu'on peut enlever, qu'est-ce qu'on peut alléger, qu'est-ce qu'on peut mettre de nouveau qui va nous permettre d'avoir une meilleure qualité de vie, d'accord? Donc, prévoir du temps pour soi chaque jour, 20 minutes, juste 20 minutes, 20 minutes pour moi, pour faire quelque chose qui me fait du bien, et un moment par semaine, bon, moi, 20 minutes, un peu plus long, on va dire, etc., pour faire quelque chose qui me permette de décompresser, de faire lâcher la tension hédique alcool, la tension familiale, parce qu'il y en a, hein, quand on est parent, ce n'est pas un boulot facile. La tension pour les enseignants à l'imam professionnel, pour les enseignants, il y a toujours une certaine tension professionnelle, donc il faut apprendre à relâcher hédique alcool. Donc, voilà. Donc, il y a des questions. Vous pouvez me contacter comme vous voulez, à travers ma page Facebook, à travers mon email, à travers mon site web. Donc, voilà, pour toute question, pour toute aide que je pourrais vous apporter. Je ne rappelle comment en fait, bien sûr, tout ce qui est lien, en fait. Je vais les envoyer à Hans. Donc, merci beaucoup, Hans, pour toute l'aide que tu m'as apportée sur la présentation. Ce n'était pas facile, les mentimètres doubles, ou ta suira, etc. Mille merci. Donc, la réponse à la question est encore beaucoup plus intéressant, beaucoup plus important par rapport à nous, les parents, par rapport à nous, les enseignants, par rapport à tout le monde. Réellement, c'est... Bravo, voilà. Merci beaucoup, Yaïch. Merci, merci à vous. Donc, je reste avec vous pour les questions, s'il y en a. Donc, voilà. Juste essayez, s'il vous plaît, de remplir le formulaire d'évaluation pour recevoir les certificats de présence. Merci. Vous arrivez à lire les commentaires, le chat? Ena et Hani, deux secondes, oui. Oui, donc voilà. Interaction directe. Halta Tatio, Hedi Halal, Oula, on a écrit Kabak alors. Hata Kentab, tu ouvres les micros, Hans, ça me va aussi. Hein, donc, C'est à eux de le faire, n'ayons pas de problème. Ah, d'accord. بونجور مدام كاوسر انا الحق ما عنديش كيسيون مي حبيت نقول لك يعطيك صحه على الانترفونسيون تاعك سي فريمون تري ريش اي تري امبورطون ميرسي بوكو يفضلك عايشة مين ميرسي انكور لي سيرتيفيكات vous pouvez les avoir en remplissant le formulaire réel formulaire n'oubliez pas de rejoindre le groupe vision 24 donc on a la page on a le groupe pour permettre plus de contact direct avec des coachs entre nous les participants donc voilà Radina Raoul les informations alcool les ressources alcool voilà déjà Hatit l'adresse donc juste l'image à l'adresse c'est Vision 2024 Initiative Plus groupe demande d'adhésion ou n'importe quoi. Excellent. Je crois que, enfin, je pense donc que c'était assez clair. Il n'y a pas beaucoup de questions. Oui.
Oui. Juste, je rappelle le nom du groupe. Juste un petit moment, je lance Facebook, c'est mieux, je donne le lien. Le lien, c'est beaucoup plus direct. Quand le Facebook rappelle le chat, il y a un peu de stress. Voilà, je relance. Voilà. Et là, c'est le groupe. C'est un début pour moi, évolution de soi-même envers les autres. J'ai beaucoup appris. Merci, Madame Fatma. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Oui. Merci beaucoup. Ça me touche le col, l'équipe d'Assemblée d'éducation. Vraiment, Shalom Kounou, voilà, Wassalna. Voilà, je vous rappelle, l'après-midi, on a le dernier rendez-vous, ma coach Semidira, avec l'intelligence émotionnelle. On aurait fini cette semaine donc, avec le sommet de l'éducateur pour mars 2021. On vous promet, Inch'Allah, mars 2022, on sera là au rendez-vous. Pour un autre sommet, pour d'autres sujets, pour d'autres thèmes de motivation, pour d'autres choses à apprendre dans la vie, de façon générale, pas uniquement en classe. Merci d'être là encore et encore. Suivez-nous sur la page, sur le groupe. Voilà. Merci à Hans, merci mille, merci. Donc, on va se retrouver ce soir. Moi, j'y serai. Donc, voilà, c'est donc, voilà. Et bon courage à vous. Inch'Allah, que nous atteignons comme plus. Voilà. Merci, Hans, pour l'opportunité. Alors, je vous en prie. Merci à vous pour tout l'effort. À la prochaine. À très bientôt. Okay.